vient de signer un bulletin à 400 000 euros pour ce monsieur qui est derrière sous une casquette verte. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer Méridiane Guilain-Bozo? Oui, bien sûr. Bally Lynch est un rat avec lequel je travaille depuis un moment. Et donc, ils m'ont demandé de leur sélectionner une jument lors de ces ventes. Et donc, j'avais sélectionné cette jument qui est assez exceptionnelle pour moi d'un point de vue physique. Bon, c'est une très belle famille qui était un petit peu endormie, qui s'est réveillée avec Wikila notamment, qui reste à l'entraînement chez Jean-Claude. Cette jument était très bonne. Elle était une des meilleures pouliches en Scandinavie. Mais bon, il y a parfois des bonnes juments scandinaves qui peuvent bien produire en France. Et notamment, c'était le cas de la mère d'Avenir Certain. Donc, je pense que c'était une jument intéressante. Et voilà, on a payé un peu plus cher qu'on voulait. Et c'est toujours un peu la même chose. Mais 400 000, c'était plus au-delà du budget prévu ? Un tout petit peu au-delà de notre budget. Mais je crois que c'est ce qu'il faut mettre, malheureusement, pour des juments un petit peu exceptionnelles. Et je trouve que cette jument était bourrée de qualité dans ses tissus, dans son attitude, voilà. Donc, elle va aller chez John O'Connor et en fait, il l'a acheté pour son investisseur américain.